Buongiorno. Bonjour à tous. Bienvenue à la rencontre Italie, Europe et développement. J'introduis brièvement avant de présenter nos invités. On va dire que les deux points avec lesquels on traduit cette rencontre, c'est le premier, le mot développement, à savoir, comme on a dit plusieurs fois dans ces meetings, depuis 30 ans, l'année dernière, ce sera 31 ans de la chute du mur de Berlin. Il s'est passé quelque chose dans les termes économiques. Les pays non européens, la Chine, le Vietnam, la Corée, l'Inde, le Sud-Afrique, le Brésil, sont des pays dont le PIB change avec deux chiffres en positif. Donc ça veut dire que si l'Europe et l'Italie ne bougent pas, l'Europe et l'Italie deviendront de plus en plus pauvres. On ne croit pas dans l'idée de la décroissance malheureuse, parce que avec la décroissance, on ne paye pas les ponts, les retraites, on ne paye pas les aides aux pauvres, on ne paye rien, parce que l'argent, avant de les donner, il faut les créer. Sinon, on ne crée pas les inflations avec le 1000% l'argent qui se trouve dans la valise. Le premier thème de l'Italie et de l'Europe est un thème exogène. Ce n'est la faute de personne, mais si on ne bouge pas, on perd. Le thème de développement est dramatiquement présent en Italie et en Europe. Le deuxième thème, par rapport à il y a 70 ans, 60 ans, est la renaissance du populisme. On est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, on l'a présenté aussi dans différentes expositions ici au meeting, avec le leader, avec l'idée, et le leader comme Mitterrand et avant Adenauer et De Gasperi, Alcide, qui ont reconstruit, comme si Jean Monnet, qui ont reconstruit une Europe en dépassant des nationalismes avec l'idée que la seule façon de s'en sortir, c'était de construire une chose ensemble, avant avec la communauté européenne de charbon. Et ensuite, en construisant petit à petit, après beaucoup d'années, après l'illusion, si on veut, de l'élargissement de l'Europe, l'illusion dans le sens que ce n'a pas été un élargissement qui a rendu plus puissante l'Europe. On est encore dans des guerres, pas militaires, mais des guerres faites par l'économie, sur l'immigration, sur les institutions européennes, les pays asiatiques qui revendiquent un nationalisme, les pays de l'Ouest qui affirment, ou s'affirment des partis qui avaient dit jusqu'à un moment avant de ne pas croire à l'internalisation européenne. Ça, c'est le deuxième problème. Face à ça, c'est pas qu'il n'y a rien. Il y a beaucoup en cela. On l'a dit déjà, l'Europe des jeunes, les gens bougent, l'Erasmus, les mouvements touristiques, culturels, les mouvements des studieux, les chercheurs, le mouvement des entreprises. Ce n'est plus l'Europe de quand j'étais jeune, moi. De quand Schengen, pour aller à Londres, au Royaume-Uni, il fallait faire 20 heures de voyage, il fallait passer par la Manche. Et on avait toujours le passeport dans la main. Il semblait d'aller en Chine. Maintenant, avec Ryanair, avec un avion, on va à Londres en dépensant moins que 100 euros. On parle naturellement, de manière spontanée, les langues étrangères. C'est presque bizarre d'expliquer aux jeunes qu'avant, on était divisés. La recherche, même le CERN,
On a déjà parlé de ça durant ce jour, des projets spatiaux européens, beaucoup d'autres projets aussi. L'énergie, il y a beaucoup de choses en commun. Et alors ici, avec cela, on peut ouvrir ce thème. Le thème qui concerne l'Europe et construire, l'Italie et la construction et construire. On a ici le maximum possible. On a Antonio Tajani, le président du Parlement européen, qui vient ici depuis beaucoup d'années. Enzo Moavero Milanesi, le ministère des Affaires étrangères, et lui aussi, il est un invité depuis beaucoup d'années ici au meeting. Et Luis Miguel Poyares Maduro, le directeur du Global Governance Programme directeur et professeur de loi à l'Institut universitaire européen et ministre portugais. Et lui aussi, un très bon invité du meeting depuis un petit moment. Je laisse tout de suite la parole à Maduro qui va conduire en dialogue cette rencontre. Tout d'abord, je veux remercier la fondation du meeting de m'avoir invité. C'est ma 4e fois ici au meeting. C'est toujours un grand plaisir d'être ici parmi vous. À cette occasion, j'ai aussi l'opportunité et le plaisir d'introduire la conversation, le dialogue entre deux personnages que j'admire et que je respecte et que j'ai eu l'occasion de connaître tout à l'heure. Le président Tajani, que je lui disais que je l'ai rencontré quand il est vice-président de la commission Barroso. Et quand je faisais mes premières expériences dans le gouvernement, et avec le ministre Moavero, on était amis à Luxembourg parce qu'on a tous les deux participé à la Cour de justice de l'Union européenne. On n'est pas des politiciens professionnels, mais on a servi la politique et le gouvernement pour des périodes de notre vie. C'est une coïncidence qui nous unit et je veux souhaiter au ministre Moavero les plus grands succès dans son activité de ministre. Je vais poser quelques questions et en présentant un peu certains sujets. Tout d'abord, la réforme de l'euro, c'est-à-dire la relation entre l'euro et les États membres. Ces dernières semaines, on a vu la publication du programme envers la Grèce, le dernier programme économique et financier, qui a vu la sortie de la Grèce après 8 ans très durs pour le peuple grec. Et 8 ans où la Grèce a bénéficié de plus de 300 milliards d'aides financières de la part des autres États membres de l'Union européenne. Une première question que je voudrais poser au président et au ministre. Quelle est la conclusion que vous pouvez faire à propos de ces programmes d'assistance économique et financière. D'un côté, ils ont eu un succès malgré les coûts économiques et sociaux. Dans tous les États, quand même, on a pu aider les États membres à sortir d'une grande crise financière. Mais comme je disais, avec des coûts politiques très élevés, l'un des problèmes du programme d'assistance économique et financière est que c'est essentiel de sortir d'une crise économique et financière. Il faut réussir à avoir de la crédibilité sur les marchés et auprès de partenaires européens. Dans le monde où nous vivons, l'Union européenne, en particulier dans l'Union européenne, la crédibilité est essentielle pour un État membre. Mais cela crée un défi politique parce que c'est vraiment difficile dans ce type de programme
mais aussi dans d'autres mises en place des politiques de l'euro. C'est difficile, je disais, de contrôler ces programmes au niveau politique, tout comme les programmes d'austérité. Comment faire en sorte que cela ne soit seulement un transfert de responsabilité nationale aux institutions européennes? Et comment pouvoir gérer cette difficulté des politiques d'austérité de la part des États membres? La deuxième question que je voudrais poser est la relation entre cette question des programmes d'assistance économique et financière et une réforme plus approfondie de l'euro. Cette crise dont on est finalement sorti en tant qu'Union européenne a de toute façon réduit la confiance mutuelle entre les États européens. L'un des grands problèmes de l'Europe aujourd'hui est arriver à réconcilier les différences démocratiques entre les différents peuples. Ce n'est pas seulement que les institutions européennes ne veulent pas agir, mais c'est que les peuples des différents États membres sont différents. Et cela se voit au niveau de la devise de l'euro. Il y a certains qui croient que pour que l'euro fonctionne, il fallait avoir plus de... Il fallait une union bancaire et les titres européens, les Eurobonds. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent qu'au contraire, il faudrait introduire plus de discipline, plus de responsabilité au niveau des États membres pour ne pas créer un risque moral entre les États. Comment donc concilier ce deux pôles politiques qui sont présents dans tous les États membres à propos de la réforme de l'avenir de l'euro entre la mutualisation du risque entre les États et la solidarité donc et l'inflexibilité, la discipline des politiques économiques européennes de l'autre. Est-ce que c'est possible de trouver un compromis entre les deux? Donc voilà mes questions. Je cède la parole au président Tajani et après au ministre Moavero Milanesi. Pardon, on passe la parole à Moavero Milanesi avant. Merci, Luis. Parler de l'euro, parler de la post-crise économique et financière signifie de parler de deux éléments de la construction européenne. Ce ne sont pas les seuls, mais cela représente les deux entre les plus importants des éléments de la construction européenne. Quand ils ont été créés, on pensait qu'ils pourraient marcher mieux et produire des fruits majeurs de ceux qui se sont réalisés. Cela est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui, au début, regardaient avec beaucoup d'espoir et un regard positif la création d'une seule monnaie, de l'euro, se sont ensuite définis avec une autre attitude contraire. Qu'est-ce qui ça pouvait mieux marcher? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'on peut réformer? Je dirais que l'euro naît avec une sorte de péché original, si on veut le dire de cette manière, parce que l'élément des partages du risque est à la fois nuancé et absent. Partager avec une monnaie qui représente une valeur sans des risques imminents dans des pays différents avec une souveraineté économique, cela représente objectivement un hasard dans la construction d'une nouvelle réalité. Et cela est la raison pour laquelle on continue du lendemain de la signature du traité de Maastricht qui crée la union monétaire de l'euro, donc on continue de parler de sa réforme. Jusqu'au moment
que les choses se passaient, se produisaient de la bonne manière, ces problèmes restaient dans le deuxième plan, au deuxième plan. Grâce à la stabilité de la force et la force de la monnaie unique, des pays ont amélioré leur situation. Ils ont profité d'une période positive avec des taxes d'intérêt plus bas et avec des inflations différentes et mineures. Le même arrivait pour les entreprises et cela a produit un effet de type positif. Mais l'existence d'une monnaie solide pour beaucoup de systèmes productifs qui étaient habitués à avoir une monnaie faible. On regarde ici en Italie, par exemple, pour avoir un exemple très intéressant, cela signifiait un défi compétitif parce que l'avantage qui pouvait dériver de l'inflation de la monnaie allait disparaître et le défi commercial devenait de plus en plus difficile parce que cela n'avait plus ce type de lien et cela devait se dérouler sur la qualité du produit. Les industries qui ont su comprendre cela sont renforcées sur les marchés internationaux et dans le sens absolu, les industries qui n'ont pas su le comprendre se sont affaiblies. Cela a été un élément qui a avantagé des réalités et désavantagé d'autres réalités. On peut penser concernant la Germanie, qui est le premier pays de la manufacture européenne, nous on est le deuxième, la qualité du produit étranger est bien meilleure que la nôtre et parfois est supérieure même si c'est injuste pour nous. Le deuxième élément qui a remarqué cet aspect est la mondialisation qui a rendu plus compétitif ce monde. Vitalini disait que les équilibres mondiaux sont en train de changer. Je suis toujours plus frappé par un chiffre statistique selon les estimes faites en 2030-2035, qui n'est pas si loin. N'importe quel type d'État européen sera entre les 7 économies du monde, économie mondiale. Cela nous fait comprendre que la dimension nationale n'est pas adéquate. Mais la dimension commune présente encore des problèmes. Ces problèmes se sont développés encore plus avec la crise économique financière, un choc inattendu. Cela a touché aussi les organismes internationaux encore guidés par les gouvernements. Et sans aucun doute, l'Union européenne, dans son ensemble, et je ne me réfère pas aux institutions seulement, je parle en particulier des institutions nationales, il a fallu du temps pour elle pour s'en sortir. Le post-crise a laissé un héritage important. Les inégalités sont augmentées dans les pays et malheureusement, se sont affaiblis aussi les liens de solidarité. Aujourd'hui, on parle de réforme du système de l'euro. La soi-disant réforme de l'eurozone, pour utiliser un langage médiatique. Cette réforme passe à travers des idées qui font partie du débat, mais en particulier à travers des propositions concrètes que la Commission européenne a mises en place dans le mois de décembre 2017. Et ces propositions, à mon avis, ne sont pas trop bien faites parce que d'un côté on a une proposition de directive qui devrait percevoir et humaniser en ces termes les traités de stabilité avec la technologie fiscale compacte qui définit une série de limites. Et quand on va voir la proposition de la Commission, on voit que cela s'affaiblit les possibilités de dérogation qui sont présentes dans le système actuel. Donc, on pourrait faire diminuer la flexibilité. Et on déplace l'attention de la dette annuelle à la dette publique. Et pour un pays comme l'Italie, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe en général, qui, durant la crise, a vu s'augmenter la moyenne des dettes de tous les pays européens. Et on voit aussi
on ne voit pas la proposition de la Commission sur les mécanismes de la procédure pour sanctionner l'excès d'avantages commerciaux dans les échanges à l'intérieur de l'Union européenne qui, en pays, acquérissent sur les autres. Ce sont des éléments de déséquilibre. Et en ce qui concerne les pays, il n'y a pas des normes qui permettent de sanctionner de la même manière, mais sont quand même des choses qui rendent instables. La Commission propose de transformer le système qui actuellement est présent pour sauvegarder les États, les différents États, d'autre côté pour les banques qui sont en difficulté et d'autre côté pour une sorte de fonds monétaire. Cela pourrait être une bonne idée. On se pourrait demander si c'est cet argent qui est plus de 700 milliards d'euros versés à l'Europe pour les États en difficulté. Peut-être cet argent pourrait devenir un fonds monétaire pour l'avenir, pour les prochaines crises, pour un développement futur. Ça pourrait être une alternative, mais ce n'est pas encore imaginé. Pour dire que quand on parle de réforme de l'Eurozone, on finit par parler des mêmes pistes de fixation de règles qui concernent en particulier le contrôle des politiques des États. Alors que pour moi, on aurait encore plus renforcé la force propulsive des forces européennes véritables qui puissent financer le développement pour soulever, pour faire rendre encore plus communautaire la politique économique de développement et pour ne pas la contrôler de manière totale. Si on la met en œuvre en la contrôlant, ce n'est pas bien. Si on la laisse aux États, on devrait contrôler qu'ils ne dépensent pas trop, etc. etc. Et cela crée une complication. La dernière observation nous amène sur le bilan de l'Union européenne qui devrait être la force motrice du développement. Le bilan de l'Union européenne, le budget, est très petit. Le budget représente le 1% des revenus bruts de l'Union européenne. L'1%. Les États-Unis, qui sont une fédération, ont le 24% de revenus bruts. Entre 1% et 24%, il y a une grande différence entre l'Europe et les États-Unis, étant donné qu'on n'est pas une fédération. Mais c'est encore plus grave en penser que le budget de l'Union européenne est 40 fois plus petit du total des États qui en font partie. L'Union européenne peut dépenser 40 fois moins de la somme qui peut dépenser les États individuels. Ceci demande une efficacité plus forte pour un développement économique, pour s'occuper des migrants, pour s'occuper de la politique défensive, pour l'agriculture, pour faire une politique de développement au niveau international. C'est vraiment une entreprise difficile, c'est vraiment difficile. On devrait adopter une autre méthode pour créer une fédération plus unie. On devrait imposer des impôts plus forts, mais on doit penser que les différences entre les différents États européens payent moins de taxes de ceux qui les payent, les citoyens de l'Europe, mais ceux qui envoient le même montant partout, ça pourrait être une solution. De voir que la dernière observation que je veux faire, peut-être pas moins provocatoire entre nous, je pense que ce n'est pas un péché mortal de parler d'émissions et des titres et des dettes européens en considérant que un dette européen de 4% donnerait
5 fois plus les actuelles ressources dont l'Europe dispose. Donc on devrait avoir le courage, si on croit en l'Europe, dans la réforme de l'eurozone, dans l'avenir de ce système, de faire ce saut de qualité. Sinon, on ferait un jeu difficile qui affaiblit encore plus le affaiblissement de l'Union européenne, la fragmentation de l'Europe. Merci. Dobbiamo fare di tutto perché il faut faire tout ce que l'on peut. Parce que l'Europe, aujourd'hui, ne marche pas. Elle est trop détachée des citoyens. La politique est absente. Et quand la politique est absente, il n'y a pas de vision stratégique. À quoi sert-elle l'Europe? Où allons-nous avec cette Europe et comment pouvons-nous rendre l'Europe l'un des acteurs mondial à l'époque de la mondialisation? Parce que l'Italie seule, la France seule, l'Allemagne seule, qu'est-ce qu'il serait dans le scénario mondial? On serait de petits face à des géants comme la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Inde. Il faut donc une vision européenne. Une Europe qui doit revenir, qui doit être à nouveau un acteur. Il faut faire retour à la politique parce que quand la politique est absente, les institutions européennes deviennent détachées des citoyens. L'Europe peut être une belle voiture, une belle Ferrari, mais sans chauffeur, une Ferrari conduit toute seule, continue de tourner et après elle s'écrase contre un mur parce que même l'Europe a besoin d'un guide, c'est-à-dire la politique. Les pères fondateurs de la nouvelle Union européenne ont voulu se baser sur la politique. L'Europe est notre identité, notre histoire, notre culture. Nous sommes tous européens. Nous sommes européens parce que nous sommes italiens. Il s'agit de millénaires d'histoire commune. Et je voudrais souligner qu'il s'agit de siècles d'histoire chrétienne parce que quand nous allons à Vilnius, à La Valette, à Lisbonne, à Prague, c'est toujours la croix qui nous unit. On peut le trouver partout et pas seulement chez nous. Il s'agit des racines qu'il ne faut pas oublier. L'un des aspects de la politique est la politique macroéconomique. Et donc la politique liée à l'euro, qui est un instrument pour opérer des choix. On doit recommencer des valeurs. Quel est notre modèle? Notre modèle est l'économie sociale de marché. Le marché doit être soutenu parce qu'il produit de la richesse et cette richesse doit être distribuée et répartie. L'entrepreneur est un instrument pour produire le bien-être pour tous. Alors, une monnaie unique est indispensable pour une Europe qui doit sauvegarder et protéger tous les citoyens européens. L'euro n'est pas un dogme ni un but. C'est seulement un instrument pour faire une bonne politique au service des citoyens. Est-ce que ce résultat est réel?
Je ne crois pas, mais cela ne veut pas dire qu'on devrait sortir de l'euro, parce que cela c'était pire que la condition actuelle. Ça serait un dégât, un dommage terrible. Quand il me propose de réintroduire la lire ou les monnaies nationales, je pense que c'est extrêmement stupide, parce que payer les dettes avec la monnaie nationale serait impossible parce que la monnaie n'aurait plus de valeur. Certes, il faut faire une réforme de l'eurozone pour que l'euro soit au service des citoyens, des ressortissants de l'Union européenne. Et comme la politique macroéconomique doit servir les entrepreneurs qui, à leur tour, produisent le bien-être de la population, il faut aussi gouverner, contrôler la monnaie unique. L'une des réformes qui sera très difficile à mettre en place, mais qui est essentielle, et je pense que la politique doit avoir une vision à long terme, c'est la création d'une banque centrale européenne qui puisse gouverner, régler la monnaie. Donc, une banque qui ait tous les instruments pour sauvegarder les intérêts des ressortissants de l'Union européenne. Il faut donc mener à bien le projet de l'union bancaire. On est encore à moitié du chemin et sans l'aboutissement de cette réforme, la réforme elle-même pourrait être dangereuse. Il faudrait aussi réévaluer le six-pack, le bail-in. Beaucoup de personnes disent qu'il fallait éliminer le bail-in. Mais je vous rappelle que quand on a introduit cette mesure du bail-in, tout le monde était contraire au bail-out. Et on disait, le gouvernement nous fait payer les impôts sur la maison pour payer les dettes d'une grande banque. Donc, pourquoi un citoyen devrait payer? On ne veut plus de bail-out, on doit changer. Donc, je me dis qu'il faut analyser de façon approfondie la situation, parce qu'à l'époque, personne ne comprenait ce que bail-in et bail-out signifiaient. Et donc, seulement les experts connaissaient le sens de ces mots, et donc on n'a pas bien évalué la situation. Il faut maintenant faire une évaluation sur la zone euro. On doit se demander quelles corrections pourrait-on faire. L'harmonisation fiscale est l'une des modifications qu'on devrait faire parce que on ne peut pas penser que l'argent coûte et des prix différents dans des différents pays. Parce que les pays pourraient ne plus être compétitifs. Si en Allemagne, une entreprise paye un certain prix pour acheter de l'argent et en Italie, une entreprise paye plus. En Italie, l'Italie est le pays le plus cher en Europe et donc on ne peut pas être compétitif. Donc je proposais une banque centrale européenne qui soit une banque. Parce que malheureusement, dans ces dernières années, la surveillance de la Banque centrale européenne a en quelque sorte remplacé la politique. Et cela a failli être un dommage énorme aux banques, un dégât énorme pour les banques italiennes. La banque a abusé de leur pouvoir de vigilance. Je empêchais que cela arrive parce que j'entends parler beaucoup de personnes à propos de la bureaucratie, de la paperasse européenne. Mais c'est le Parlement européen qui a bloqué les technocrates de la Banque européenne pour défendre les banques qui doivent donner des prêts, des emprunts. J'entends beaucoup de personnes parler, mais je ne vois pas beaucoup d'actions. C'est l'organe de législation qui doit écrire aussi les lois qui réglementent l'espace économique.
Je suis d'accord avec le ministre Moavero quand il parle de Eurobond, de titre européen, parce que le système économique européen ne peut pas être seulement au bénéfice d'un seul pays membre, mais à tous les pays européens. Il est important que chaque pays puisse bénéficier des avantages du système économique. L'Allemagne, par exemple, a bénéficié de manière objective. L'Allemagne a plusieurs avantages, bénéfices objectifs, parce que l'Italie, beaucoup de fois, n'a pas joué le rôle qu'elle devait jouer. Elle était trop souvent absente, elle a trop souvent repoussé, beaucoup de leaders ont décidé de faire trop d'interviews à la télé. Et donc, je dois faire mes congratulations à Enzo Moavero parce qu'il n'a jamais abandonné son poste quand il était à la Commission. Je voudrais que tout le monde, tous les leaders, tous les politiciens ont la même attitude. Malheureusement, il était une exception. Et cela ne dépend pas des partis politiques. Parce que malheureusement, en Italie, c'est plus important de parler au journal télé que de réussir, d'avoir des résultats concrets. Et je trouve que trop souvent, les interviews à la télé sont juste une manifestation de force qui nous amène aux résultats contraires. C'est-à-dire, au final, ce seront les citoyens italiens qui vont payer ce qu'ils ne méritent pas de payer. Aussi, au niveau du budget européen, je crois qu'il faut lutter pour augmenter les budgets européens. Pour faire en sorte qu'il y ait plus de résultats et des retours pour notre pays. Je pense par exemple à ce que l'on peut faire au niveau d'innovation, de recherche, mais aussi pour la politique agricole commune et la migration. Il faut lutter pour protéger l'intérêt national dans le budget national 2021-2027 en étant présent pour défendre ce 0, quelque chose et non pas en faisant des interviews à la télé, parce que ce qui compte n'est pas un point de plus dans un sondage, mais c'est les résultats concrets dont on peut parler après avoir travaillé durement, ce qui est plus difficile que écrire sur Facebook, sur Twitter et parler à la télé. Ceux qui représentent le peuple ne doivent pas combattre pour son image personnelle, mais de combattre pour protéger les droits du peuple qu'il a choisi en tant que représentant. Seulement de cette manière, nous pouvons changer les choses. Pour répondre à la première question que tu nous as posée, je dis heureusement que la période de la Troïka est révolue et des représentants qui viennent te dire ce que tu devrais faire, avec des tons agressifs. Je n'aimais pas, par exemple, quand j'étais un élève à l'école, qu'il me faisait sortir de la classe. Mais qui avait la faute? C'était ma faute, ce n'était pas la faute du prof. Et je ne voudrais jamais que la Troïka vienne ici chez nous parce qu'on n'a pas eu
on n'a pas été capable de gérer nos comptes. Sans une politique économique, sans une vision, nous perdons de la crédibilité. Et sans une politique économique qui réduit la dette publique et une politique économique qui vise sur la croissance, sur la création d'infrastructures qui nous permettent de payer les dettes de l'administration publique, on parle de 70-80 milliards d'euros, sans la réduction de la bureaucratie. Je crois que on va perdre beaucoup plus d'argent et c'est un risque si nous n'avons pas une vision. Sans une vision italienne, on risque de perdre beaucoup d'argent. Je n'aime pas la Troïka. Je n'aime pas quand quelqu'un me dit ce que je dois faire. Je considère cela quelque chose d'inacceptable. C'est pourquoi je dois démontrer d'être crédible quand je présente mes projets à une communauté qui paye pour mes responsabilités si je me trompe. Je ne veux pas payer pour les responsabilités des autres, mais je suis aussi forcée d'éviter que les autres payent pour mes responsabilités. Il faut être sérieux et crédible. Je ne suis pas d'accord avec une austérité, une rigueur et une politique économique qui serre la ceinture et qui fait faire des sacrifices à tout le monde. Je crois en une politique économique de la croissance, du bon sens, de la réduction de la pression fiscale. Je ne m'identifie pas dans une vision anglo-saxonne ou allemande. Je m'identifie dans la politique entrepreneuriale. Je crois en la vision chrétienne d'un homme qui construit et non pas, je ne crois pas en la punition. Mais si notre objectif premier est celui de créer de l'emploi, il faut avoir une politique économique digne d'être appelée comme cela. En conclusion, à propos du budget, je n'ai pas dit quelque chose qui est extrêmement important. Nous ne pouvons plus permettre qu'en Europe, il y a des grandes entreprises qui font tout ce qu'elles veulent, qui diffusent de vrais ou faux messages, qui diffusent tout type de films. Et qui le font, qui font cela sans respectant les droits d'auteur. Je crois qu'il faut créer une taxe pour les géants du web qui ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent en Europe et qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent et gagner beaucoup d'argent pour après déplacer cet argent en Chine ou aux États-Unis et après devenir des intermédiaires et des outils pour des sites qui minent à l'unité de l'Union européenne. Les fausses nouvelles sont dirigées par quelqu'un. En Italie aussi, on devrait faire attention à des faux sites Internet, à des faux profils Internet, parce qu'il y en a trop. Ceux qui ne veulent pas des règles sur le web sont les mêmes qui utilisent le web pour influencer l'opinion publique avec de fausses nouvelles, avec de l'agressivité, en essayant de manipuler la démocratie et l'opinion publique. Cela n'est pas acceptable. La web tax pourrait enrichir l'Union européenne, rendrait plus prospère le budget européen et on pourrait faire plus de choses en faveur des citoyens au lieu qu'en faveur de ceux qui veulent manipuler le cerveau des citoyens. Heureusement, on est d'hommes et des femmes libres et on va faire tout ce qu'on peut pour éviter cela.
prima di entrare nel secondo. Avant de passer au deuxième sujet, après ce qui a été dit par le ministre Moavero sur les budgets et sur la nécessité de nouvelles ressources et sur ce qui vient, qui a dit le président Tajani, je dois raconter d'une enquête qui a été faite dans différents États membres. Comme le disait le ministre Moavero, d'un côté, on demande toujours plus à l'Union européenne. On veut qu'avec le même budget ou avec des contributions réduites des États membres et sans la contribution du Royaume-Uni dans l'avenir, on voudrait faire plus à différents niveaux. Cela est difficile. Parfois, ça me rappelle un film de Woody Allen sur comment on voit... On voit l'Union européenne. Dans le film de Woody Allen, il y a deux personnages qui parlent d'aller dans un resto à New York et ils disent on a vraiment mal mangé, c'était mauvais, c'était impossible de manger dans ce restaurant. Et à la fin, ils disent et les portions sont si petites. Et quand on parle de l'Union européenne, c'est un peu la même chose parce que on veut moins de présence de l'Union européenne, mais on demande plus à l'Union européenne. Et c'est encore plus difficile donc d'avoir un budget plus grand qui puisse permettre à l'Union, comme l'a dit le ministre Moavero, d'avoir un budget et d'avoir un équilibre entre la discipline de budget et la capacité de promotion économique de l'Union européenne. Dans cette enquête menée dans différents États membres, quand on a posé la question, est-ce que l'Union européenne et les États membres devraient voir augmenter les ressources? Dans les États du sud de l'Europe, la majorité des personnes interviewées étaient favorables à une augmentation des ressources au niveau européen et moins pour les États. Dans tout le reste de l'Union européenne, donc les États membres du centre et du nord, la plupart des personnes ont répondu moins de ressources à l'Union européenne pour avoir plus de ressources à nos États membres, à nos États nationaux. À l'exception de l'Allemagne. En Allemagne, une petite majorité était favorable à avoir moins de ressources au budget allemand avec plus de ressources au niveau européen. Et si on posait une question différente, par exemple, est-ce que vous êtes favorable à une taxe européenne pour augmenter le budget européen ou un impôt sur les grandes entreprises digitales, numériques, comme l'a suggéré le président Tajani, la plus grande partie des personnes dans tous les États membres étaient favorables. Donc si la question, si on demande aux citoyens, si on demande aux citoyens s'ils sont favorables à une taxe sur les grandes entreprises numériques, plus que 70% dans tous les États membres sont favorables, sont d'accord. Donc, c'est la responsabilité des leaders de présenter de la manière correcte cette proposition aux ressortissants de l'Union européenne. J'essaie maintenant de poser une deuxième question parce qu'on veut surtout écouter nos invités. Le deuxième sujet est la migration, la crise des migrants et des réfugiés en Europe. Je voudrais poser trois questions très concrètes. En premier, comment réglementer le rapport entre migration et réfugiés ? Très souvent, dans les débats politiques, on fait une amalgame entre les deux questions parce que, d'un côté, on confond le fait qu'on est forcé d'accueillir les réfugiés et non pas le reste des migrants, et aussi parce que
À travers les problèmes de la migration, on essaye de mettre des obstacles, des entraves à l'accueil des réfugiés, qui est une obligation pour toute l'humanité. Donc comment pouvons-nous faire une distinction de ces deux phénomènes qui ont besoin de deux traitements différents, la migration économique d'une fois et les réfugiés de l'autre? Deuxième question. Est-ce que cela est un problème réel ou c'est juste un changement de perception? Dans le dernier semestre en Europe, par exemple, il y a eu 70 000 personnes qui sont arrivées dans les États européens. Ça ne semble pas un chiffre qui puisse suggérer une crise et donc demander un grand effort de la part des États européens. Si, par exemple, on compare ce chiffre à ce qui se passe au Venezuela, il n'y a pas de relation entre moi et Maduro du Venezuela, hein? Je veux souligner cela. Dans les derniers mois, au Venezuela, il y a 2 millions de personnes qui ont quitté le pays. La Colombie elle-même a accueilli 1 million de réfugiés ou migrants. Dans ce cas aussi, c'est difficile de classifier et de faire une distinction entre les deux catégories. La question donc est la suivante. Est-ce un problème réel ou s'agit-il plutôt d'un problème de perception? Et si le problème est réel, est-ce que cela se joue au niveau de politique d'intégration? Et donc ce n'est plus un problème en termes de chiffres, de nombre de personnes qui arrivent en Union européenne, mais plutôt en termes d'intégration de ces personnes qui sont déjà ici, dans l'Union européenne, dans nos sociétés. Dernière question. Le manque de solidarité de l'Europe à ce niveau est clair. C'est un autre exemple des conséquences de la perte de confiance mutuelle entre les différents États membres et les différentes populations européennes. Mais la responsabilité de ce manque de solidarité est une solidarité des institutions européennes, de Bruxelles ou de certains États membres. Parce que en Italie aussi, il y a certains qui culpabilisent Bruxelles pour quelque chose que parfois est la faute de certains États qui sont plus proches politiquement. L'un des paradoxes réside dans le fait que très souvent, les États qui critiquent le plus les conséquences de la migration et les conséquences de la migration sont aussi les pays qui sont moins disponibles à accueillir. Est-ce que les institutions peuvent résoudre cela ou s'agit-il d'un problème de relation entre les démocraties nationales et entre le gouvernement des différents États membres? Qu'est-ce qu'on pouvait faire à propos de cela en Europe? Première réponse, migrants et réfugiés. Il est clair que ce sont deux choses totalement différentes et des conditions différentes, même si les migrants a chez lui des problèmes. On a eu deux types de réfugiés en particulier dans ces deux dernières années. Ceux causés par le désastre syrien, par la fuite en masse de la Syrie et en partie de l'Irak, par la guerre civile, par l'attaque de Daesh. On a eu millions de personnes qui se sont déplacées et ont cherché un refuge en Europe. Par la suite, on a ceux qui s'enfuient depuis des parties de l'Afrique à cause des guerres, à cause du terrorisme, des Boko Haram, même à cause de l'arrivée d'un autre leader où on a lu un article sur l'Éthiopie qui devrait nous faire réfléchir
Et ces personnes, il faut les accueillir. On ne peut pas négliger cela. Je pense aux résultats du centre de l'ONU à Niger, où il y avait plus de 1000 personnes et la plupart de ces personnes avaient une croix. On parle de filles éthiopiennes et avaient déjà l'état de réfugiés. Je ne crois pas que pour les pays qui disent de défendre les résines chrétiennes de l'Europe, je ne crois pas que ces personnes puissent représenter un danger pour nous. Je pense qu'au contraire, ils pourraient être les meilleurs pour l'intégration dans nos pays. Moi, j'essaie de ne pas exposer l'Évangile. Je pense plutôt à le lire. Et en lisant l'Évangile, on voit que Jésus chasse les voleurs du temple. Mais Jésus n'est pas que ceci. Le rosaire, qui est considéré un symbole fort pour l'Évangile, au fond de ce rosaire, il y a un Seigneur qui souffre. Et si l'on croit dans un Évangile et on veut à la fois être des politiciens qui croient en l'Europe, on ne peut pas voir que Jésus qui chasse les voleurs du temple. On doit aussi voir Jésus qui souffre. Et dans toutes les filles que j'ai vues qui m'ont raconté de toutes ces histoires de violence, des frères qui ont été tués, dans le visage de ces filles, il y a le visage du Christ. Si on croit de la résine chrétienne de l'Europe, ces filles et ces jeunes, on ne peut pas ne pas les accueillir. C'est un devoir pour nous et cela m'étonne que pays comme la Pologne, l'Hongrie, qui insistent sur leur identité chrétienne, n'aient pas le courage d'accueillir des chrétiens qui s'enfuient pour leur être chrétien. Ils ne veulent pas renoncer leur identité. Ce serait été meilleur pour eux de se convertir à l'islam que s'échapper. Il y a un manque de solidarité, certainement. Mais combien d'hommes et combien de femmes de l'Est, quand il y avait la dictature communiste, quand les cardinals Mizendi étaient en prison, étaient aidés par des Italiens, par des Allemands. Et on les aidait autrefois parce qu'on croyait dans la solidarité. Donc la solidarité ne peut pas être d'un seul sens. Quand on la demande, quand on demande d'être accepté, on demande que la réforme de Dublin soit acceptée, une réforme qui impose la récolocation des réfugiés en Europe, on demande seulement la solidarité de chrétiens éthiopiens, syriens. Ils ne vont sûrement pas polluer l'identité chrétienne ni de l'Hongrie ni de la Pologne, certainement pas. Cela ne signifie pas d'être faible ou des gens qui vont permettre tout. Les migrants clandestins, les migrants qui est un criminel, les migrants qui ne veulent pas s'intégrer, ce sont d'autres choses. Les migrants aussi qui veulent faire le migrant de Daesh, les migrants qui vendent de la drogue, sont autre chose. Moi, je suis pour une ligne dure. Je suis assez sévère. Pour être intégré en Europe, il faut
qu'ils respectent nos règles, clairement. Mais à la fois, il faut qu'ils aient les mêmes droits que les travailleurs ont. Si on veut vraiment faire une politique d'intégration sérieuse, il peut y avoir des couloirs qui puissent amener en Europe des personnes qualifiées qui sont capables de pouvoir travailler. Il y a parfois le problème de la perception sociale qui est plus grave et explosive de la réalité. L'homicide de Macerata a créé une alerte sociale énorme. Les musulmans qui ont tué cette fille ont créé un climat certainement de grandes inquiétudes parce qu'on a emphatisé ce drame. Et donc, il faut qu'on voit intégration, les flux migratoires. Moi, en travaillant, je pense qu'il faut bien résoudre les problèmes en Afrique. J'ai été au Niger. Grâce à l'action de l'Union européenne, on a pu investir 1 milliard dans ces pays. Et on est passé de 300 000 des passages de Niger pour arriver en Libye, pour arriver en Europe ensuite, en 2016. Et on est passé à 10 000 passages en 2018. On a coupé le nombre au-delà de 90%. Il faut tenir compte des guerres, du changement climatique, de la pauvreté. En 2050, il y aura 2 milliards et demi d'Africains. En 2100, il y aura 5 milliards d'Africains. Et donc, il y aura des mouvements bibliques, des mouvements très grands si on ne résout pas les problèmes. Mais quand il y aura... Il ne suffiront pas des bateaux ni des opérations Sophia pour résoudre les problèmes. L'armée de Rome n'a pas arrêté les mouvements de l'Est jusqu'au Ouest. Les mouvements dont je parle se lient au discours de la perte de la présence chrétienne au Moyen-Orient. Parce que tout le monde se dit chrétien, mais personne ne s'inquiète de l'Église qui souffre dans cette partie du monde. Les parties du monde chrétien du Moyen-Orient sont les plus anciennes et ils risquent de disparaître. Et le dégât, le dommage ne sera pas que pour eux, mais pour nous aussi. Parce que c'était l'élément d'équilibre, c'était un élément de dialogue, parler avec eux, même avec le monde islamique. Si ces communautés sont obligées d'abandonner leur lieu, leur terre d'origine, alors ce sera une catastrophe. Ils ont un rôle pas que religieux, mais ils ont aussi un rôle de paix et stabilité entre communautés. Et on a le devoir de ne pas oublier l'Église qui souffre, ni en Égypte, ni en Turquie, ni en Syrie, ni en Irak. Et ce n'est pas une question seulement religieuse, c'est surtout une question politique, liée même au phénomène migratoire. Donc l'Europe doit avoir une stratégie de migration. Il faut des outils économiques sur la migration. La politique sur la migration n'est pas qu'un repoussement de 100, 200, 300 personnes. C'est même juste d'être sévère et faire comprendre aux États européens les lois. La Commission européenne n'a rien à faire avec ça. Ce sont les États membres de l'Europe qui doivent comprendre, surtout ceux de l'Est, que la communauté, l'unité n'est pas présente seulement quand ils ont besoin des autres membres. Mais l'unité, c'est tout le temps. Il faut qu'ils se mobilisent tout le temps. Accueillir 2000 réfugiés ne change pas la situation géopolitique
ou identitaire de l'Hongrie ou de la Pologne. Certes, la responsabilité des États membres est des États membres. Enzo Moavero était présente au dernier Conseil européen. On s'est rencontré avec le Premier ministre Conte avant la première réunion. On a concordé une solution pour faire en sorte que les États membres approuvent la réforme de Dublin. Il y a eu un débat très intensif, même entre États favorables. On a décidé à la fin du Conseil d'approuver la réforme dès la fin de l'année. Et je me souhaite que les pays asiatiques, les pays de l'Est, étant donné qu'on peut voter pour la majorité, j'espère qu'ils ne bloquent rien, parce que qui ne bloque pas la réforme, parce que s'il y avait été la réforme de Dublin, aujourd'hui on ne parlerait pas de l'histoire du bateau qui est arrivé à Catania, en faisant descendre 250 migrants, femmes, enfants. Il y aurait eu une distribution, un éparpillement dans toute l'Union européenne pour ce type de migrants. L'Italie soutient ce type de questions. L'Hongrie, la Pologne doivent faire leur partie parce que l'Europe a donné beaucoup à ce type de pays. Et étant donné qu'ils croient dans l'Europe, ils devraient faire plus de ce qu'ils font durant ces années, durant ces mois, afin de contribuer à une solution d'un problème politique qui, avec celui du travail, risque de modifier les aspects politiques en Europe. Parlare di migranti è diventato... C'est difficile aujourd'hui de parler de migration et des migrants. La dernière fois que j'ai parlé au public, enfin publiquement, de migrants, c'est passé à Marcinelle, en Belgique, il y a quelques semaines. Marcinelle, les lieux où une tragédie s'est passé il y a 62 ans, une tragédie d'une mine où 136 Italiens sont morts, avec une centaine de personnes d'autres nationalités. Pour la plupart, tous ces morts étaient des migrants. Nous avons oublié l'histoire ancienne des migrations. Nous avons oublié cette histoire, et c'était une erreur, parce que il faut commencer d'une connaissance de la réalité pour pouvoir comprendre la situation actuelle. Aujourd'hui, il y a des flux migratoires inhabituels en termes de nombre, provenance et impact. Il s'agit de grands mouvements qui partent du sud du monde vers le nord, mais pas seulement. Par exemple, dans l'Asie du Sud-Ouest, il y a des mouvements aussi vers l'Australie. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Mais il paraît qu'on est face à un phénomène jamais vu. Et on n'arrive pas à faire face à ce problème ensemble. L'Europe dans son ensemble, l'Union européenne et ses institutions dans leur ensemble, avec les gouvernements des États membres, ne sont pas en train de démontrer leur responsabilité face à ces phénomènes. Ce manque de responsabilité se reflète aussi au niveau de l'euro, comme l'on disait avant.
et on devrait comprendre donc quel impact a l'Europe dans nos vies quotidiennes. Dans les questions que tu nous as posées, tu as fait une distinction entre les réfugiés et de la protection internationale. Et pour la reconnaissance du droit d'asile, pour ceux qui échappent des conflits ou des persécutions. Donc, tu as fait une distinction entre les réfugiés et le reste des migrants qui sont après classés selon leur catégorie, donc migrants économiques, etc. À propos du droit d'asile, l'Union européenne a des règles. On a fixé ces règles quand on travaillait avec des nombres très réduits. Donc, on avait décidé que le pays où les personnes arrivaient pour la première fois, donc le pays de première entrée, était celui qui passait l'entretien et qui fournissait les documents nécessaires après avoir reconnu la protection internationale. Mais quand les nombres augmentent, ce devoir pour le pays de première entrée devient trop grand. C'est à ce point-là qu'on devrait interpeller l'Union européenne et la solidarité, le partage des devoirs. Et au contraire, c'est à ce point-là qu'on se trouve face à des barrières, qu'on pourrait appeler égoïsme national, qui n'accepte pas l'idée de partager l'accueil des personnes qui viennent de l'étranger et qui ne veulent pas, qui cherchent la protection internationale, le droit d'asile ou une vie meilleure. Et donc, on n'arrive pas à gérer une politique commune au niveau migratoire. C'est un grand problème. Cela me permet aussi de répondre à la deuxième question. S'agit-il d'un problème réel ou au niveau de perception? C'est un problème réel qui est amplifié à cause d'une perception qui est due à un manque de gestion de ce grande question, phénomène. Ce manque de gouvernance fait en sorte que chaque système national doit décider tout seul. Cela est le refus, la négation de la notion même d'Union européenne et aussi de la négation de la notion qui anticipait l'Union européenne, c'est-à-dire la communauté européenne. Une communauté qui ne partage pas n'est pas une communauté, ne peut pas se définir communauté. Face à ce type de situation, on entend très souvent dire que l'Europe ne dispose pas des outils nécessaires. Je ne veux pas faire ici un discours technique, je veux juste vous transmettre des informations si vous n'avez pas accès à ce type d'informations. Cela n'est pas vrai. Les traités européens prévoient des règles qui demandent aux institutions européennes et aux États de l'Union européenne aussi, qui sont représentés dans les institutions telles que le Conseil européen, d'adopter des règles. Donc, c'est un choix européen. L'Europe a décidé de finir des règles, d'établir des règles à propos de droits d'asile et de les réformer ensemble. Mais cela ne touche que les candidats aux droits d'asile et tous les autres. Pourquoi nous n'avons pas harmonisé tout le reste des règles des personnes qui veulent venir travailler en Europe, etc. Pourquoi nous n'avons pas travaillé sur les frontières externes? Pourquoi nous considérons les frontières extérieures des États des frontières nationales et non pas des frontières communes de l'Union européenne? C'est un problème au niveau communautaire parce que c'est une contradiction avec les valeurs fondamentales
de l'Union européenne, quand on parle donc de grandes valeurs comme solidarité, communion, partage, etc. C'est une forte contradiction. Pendant toutes ces années, on aurait pu faire beaucoup plus de lois et donc donner à l'Union européenne des instruments, des outils plus efficaces. Mais on ne l'a pas fait. Dans les 4 dernières années, le Conseil européen, seulement 2 fois, a confié les séances à la migration. La première fois, en juin 2014, on n'a presque rien fait à cette occasion, même si des indications ont été données. Sauf que aucune action n'a suivi. En juin 2014, donc, des indications ont été données. Ce n'est pas une date, c'était une date importante parce que c'était juste après la tragédie de Lampedusa. Notre pays avait vu la tragédie devant ses côtes, mais on n'avait rien fait. Après, le Conseil en juin 2018 a consacré la séance à la migration et on a eu des conclusions qui représentent donc les décisions des leaders européens sur la solidarité, sur le partage, un effort partagé, une approche commune, etc. etc. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place dans les mois qui suivaient. En moyenne, les actions ont été positives. Le nombre de migrants qui arrivent en Europe ont été répartis dans les différents membres avant d'avoir décidé s'ils étaient des réfugiés ou pas. Mais on a vu que cela n'est pas une procédure figée et c'est donc difficile de traduire tout cela dans des dispositions plus précises. Cela nous amène à comprendre que les personnes qui arrivent en Italie, que dans les 5-6 dernières années ont été très nombreux, parmi les flux migratoires dans la route de la Méditerranée centrale, 7-10% des arrivées, des personnes qui sont arrivées en Italie, sont des personnes qui ont le droit d'asile, donc des réfugiés. Le 90%, c'est des personnes qui n'ont pas le droit d'asile. Selon les accords européens, il faudrait rapatrier ces personnes. Mais c'est vraiment difficile. Il faudrait avoir un accord avec le pays d'origine de ces personnes. Il faudrait, parfois, ces personnes n'ont pas des documents, ils sont des sans-papiers. C'est cher de faire un rapatriement. Il y a des coûts au niveau d'accueil. On ne peut pas jouer avec la géographie. Parce que les flux qui arrivent de la Méditerranée centrale, et il y a une certaine péninsule qui est l'Italie au centre de la Méditerranée centrale, tout le monde arrive ici et donc le problème est le vôtre, gérez-le. Ces personnes n'arrivent pas sur une île grecque, en Italie ou sur les côtes espagnoles. Ils arrivent en Europe, ils veulent arriver en Europe. C'est donc l'Europe qui doit faire face à cette question. Et quand je parle d'Europe, je parle tout d'abord de gouvernement des États membres et les institutions mêmes. On voudrait voir la Commission européenne faire des propositions de législation. C'est son pouvoir et son devoir. On aimerait bien voir des discussions sur des propositions de loi et non pas sur un cas individuel, parce que parfois on trouve des solutions au cas individuel. Mais vu qu'on parle des situations des personnes, l'absence de solution signifie ne pas aider les personnes dans des situations dramatiques. Il ne faut pas agir uniquement en regardant la destination de flux. Il faut regarder
surtout la source, l'origine et le développement après du flux. Regarder la source signifie regarder les pays d'origine. Si ces pays sont en guerre, sont des pays en conflit, l'Europe doit se concentrer sur la réalisation de la paix. Quelle est la solution de l'Europe pour la paix au Moyen-Orient? Le président Tajani parlait des chrétiens au Moyen-Orient. Mais est-ce que l'Europe est présente dans les processus de paix? Il y a des régimes autoritaires, des dictatures, d'où beaucoup de personnes s'échappent. Est-ce que l'Union européenne a des stratégies pour et a des solutions pour cela? Il y a encore des pays où la situation économique est extrêmement difficile. Est-ce que les investissements européens sur ces pays sont efficaces? Il ne suffit pas d'investir de l'argent et de déplacer de l'argent pour faire développer ces pays qui ont des populations très importantes parce que, heureusement, les problèmes de santé ont été réduits. Il faut aussi soutenir des gouvernements, une classe dirigeante qui soit à même de gérer ces fonds, cet argent. Tu utilises très souvent, Antonio, une métaphore, c'est-à-dire la métaphore du plan Marshall. C'est une métaphore intéressante. Mais, et je suis d'accord, mais nous oublions pas que le plan dans les pays qui sortaient de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une classe dirigeante qui était capable d'utiliser les fonds du plan Marshall. On devrait être à même de faire cela. Donc, on ne doit pas seulement discuter des personnes qui arrivent jusqu'ici. La discussion sur la migration en Europe doit être beaucoup plus articulée, structurée. Il faut partir de pays d'origine, le pays de transition, où ces personnes doivent être assistées et on doit les aider à rentrer dans leur pays parce qu'ils veulent le faire très souvent. Il faut trafiquer les trafiquants, les passeurs, les organisations qui introduisent des relations d'esclavage qui arrivent jusque dans nos pays. Il s'agit d'exploitement de personnes. Si on laisse entrer de façon illégale les personnes chez nous, cela signifie qu'on les laisse être menacées et on les laisse dans les mains des passeurs. Au contraire, on doit aider les personnes d'origine pour développer, pour qu'ils puissent se développer. Si l'on veut être cohérent avec les valeurs qui sont répétées à plusieurs reprises dans le texte fondateur de l'Union européenne et aussi de l'ancienne communauté européenne, il faut penser ensemble aux solutions pour ce problème. On ne doit pas laisser les pays seuls, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, mais si dans l'avenir, les migrations, les flux migratoires arriveront de l'Est, on ne doit pas abandonner les pays de l'Est et le même pour le Nord. Il ne faut pas agir selon des barrières égoïstes parce qu'avec cet égoïsme, on ne pourra pas trouver des solutions et on continuera à transmettre une idée d'une Europe incapable de gérer et de résoudre l'une des questions plus importantes de notre temps. Allora, concludo Je conclue télégraphiquement cette rencontre avec une considération qui provient du titre. Les véritables problèmes sont complexes, comme on l'a entendu ce soir. On ne peut pas résoudre les problèmes avec les tweets ou les blagues, parce que pour être heureux, notre cœur, nos exigences, qui deviennent ensuite les questions dont on a parlé, le budget, le développement, les populations qui voyagent, qui se déplacent, ce sont des questions complexes et demandent quelque chose qui a à quoi faire avec
le bonheur, le dialogue, l'équilibre, la capacité de dialoguer, le savoir-faire, les blagues, tout le contraire de ce qu'on entend d'habitude, et c'est tout ce qu'on a entendu ce soir. Il faut des gens qui savent, qui sachent dialoguer, qui sachent raisonner, qui ne promettent pas des solutions faciles qu'un Churchill des 20 premiers ministres, quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale, il a promis larmes et sang. On ne peut pas promettre des solutions traumaturgiques en disant juste que ceux qui sont arrivés avant, ils étaient des cons, des idiots, et le sauveur est arrivé. Mais vu qu'on est presque à l'anniversaire l'année prochaine de la Révolution française de 2019, quand on parle mal de ceux qui sont venus avant, parfois ça nous revient à nous. Bon travail, il aura la rencontre avec le président